Les bouquinistes font désormais partie de la carte postale d'Alger, la capitale, avec leurs stands en plein air ou leurs échoppes. Ces amoureux de la lecture partagent généreusement leur collection de livres anciens et créent une atmosphère des plus chaleureuses. C'est ma création. J'ai aimé le livre, j'aime lire, j'aime les lecteurs. Et c'est ma vocation, j'aime le livre, j'en ai fait du livre mon travail. La vente, achat de livres, d'occasion, du neuf, c'est presque un forum de lecteurs. Depuis son échoppe, au milieu des étagères remplies de classiques de la littérature, d'ouvrages pédagogiques et de vieux magazines, Monsieur Salah, bouquiniste chevronné, nous donne un aperçu de la clientèle qui fréquente sa librairie et regrette le déclin de l'amour de la lecture chez les jeunes. Généralement, les personnes âgées d'un certain âge s'intéressent aux livres, ayant un certain niveau, soit des gens par passion, ils aiment la lecture, soit des gens dans leur recherche, beaucoup moins de jeunes. Les jeunes, c'est beaucoup moins, mais il y a des jeunes qui s'intéressent. Les jeunes universitaires, les jeunes qui font de la recherche, etc. Chacun ses besoins. Ces bouquinistes passionnés ne se contentent pas seulement d'aimer la lecture et de proposer des livres anciens à la vente. Ces derniers essaient de prendre soin de chaque ouvrage qui leur tombe dans les mains comme un trésor unique et fragile qu'ils restaurent eux-mêmes. حتى كتب نعاودو نسقموها نعاودو نريستوريهم باش نعاودو نبيعوهم احنا بين الفرق بيننا وبين المكتبات السعر وثانيا احنا كتب مستعمله معناتها ما راكش راح تدي كتاب جديد ولا معناتها راح تدي كتاب انسان قراه. Même si la modernité et le numérique ont envahi nos vies, le livre restera pour toujours le meilleur des compagnons. Et les bouquinistes sont là pour nous le rappeler pendant encore longtemps.